c'est difficile pour une maman, même si elle fait son commerce et que son enfant ne travaille pas, elle n'a pas le moral. Voilà. Donc, c'est vraiment sur ça qu'on va déjà s'organiser. Parce que c'est vrai que les gens ont une mauvaise idée des politiciens. Mais moi, ce que je veux réellement, c'est de voir dans quelle mesure on puisse aider. Que ça soit vraiment réel. Que ce ne soit pas juste des paroles en l'air. Donc, vous allez vous organiser. Eux, ils vont prendre les différentes associations que vous avez ici. Ils vont les recenser, ils vont les faire, ils vont voir comment l'organisation s'effectue. Donc, il ne faudrait pas que vous gardez peut-être l'information pour vous parce que vous pensez que c'est PDCI ou bien c'est FPI ou bien c'est tout ivoirien. Tu es ivoirien, tu as des difficultés, on va essayer de t'aider. Donc je vais faire ce que je peux pour vous aider. Voilà. Parce que moi personnellement, quand j'aide les gens, ça me fait plaisir. Ce n'est pas lié à la politique. Ce n'est vraiment pas lié à la politique. Donc vraiment, je compte sur vous et puis je vous demande sincèrement de prendre ça au sérieux parce que j'ai réellement la volonté de vous aider. J'ai vraiment cette volonté là. Donc les CV, il faut les récupérer. Les femmes, vous êtes déjà en association. Vous existez déjà. Vous appelez mes collaborateurs. Quand j'ai parti, ils vont venir derrière. Président, tu as pas mon numéro. S'ils ne viennent pas, tu m'appelles. Vous dites qu'ils ne sont pas venus. Le député, dans son infinie bonté, envisage de toucher un peu toute la population de Yopougon, dont il est député. C'est dans ce cadre qu'il a rendu visite aujourd'hui à la belle cité de Yopougon-Ouattara, dont je suis le président de la jeunesse. Je voudrais dire que je suis honoré personnellement, et c'est toute la population, toute la communauté de Ouattara qui est également grandi à travers cette visite. Nous espérons que ces paroles que nous venons d'entendre vont très bientôt se voir mises en œuvre pour le bonheur des jeunes, des mamans en souffrance que nous sommes dans notre commune, dans notre belle cité de Ouattara.